J'aimerais remercier aussi Hakim Dumonde qui est ici, qui prend des photos, vidéos. On va avoir des photos sur Facebook. Au courant de cette semaine. Au courant de la semaine. During this week. Au courant de la semaine. Au courant de la semaine. Sur la page Facebook de l'événement et les vidéos aussi sur la page Facebook. Et Dailymotion Ça va être publié sur YouTube et ou Dailymotion. Donc c'est ça. Oui. Bon, vous avez entendu sur YouTube et ou Dailymotion. Merci beaucoup, Hakim. Bienvenue. Oui. Hakim qui fait ça, qui a fait ça je ne sais pas combien de fois, ici, à tellement d'autres endroits. Si vous allez à Dailymotion, vous allez trouver l'historique de 3 ou 4 ans de poésie ici à Montréal. Donc, c'est fantastique. Un bon travail, Hakim. J'avais un micro, Hakim Dumonde. Dumonde? Citoyen du monde. Citoyen du monde. Right, so I'm a citizen of the world. So, donc merci Flavia, merci Hugues pour cette belle soirée. Et puis ici on parle de poésie, on parle de la poésie. Et puis dans Larousse, vous le savez tous, Larousse ou le on va dire le Robert, la définition de la poésie c'est en 3-4 lignes. Ça parle d'inspiration, ça parle d'imaginaire et d'autres choses. Il y a des poètes qui définissent la poésie comme étant donc l'expression d'un état d'âme. Et puis moi, je la définis dans le poème suivant, et je dis, la poésie, c'est écrire sans décrire, avec le cœur, et non avoir des diplômes ou être docteur d'une littérature qui ignore les odeurs de la nature lorsqu'elle dort, ou de sa fraîcheur à l'aurore, et où une larme devient aux yeux en s'abandonnant dans les plaines, les pâturages et les pâtures, une larme honnête et pure, et qui dure au-delà du temps et des mots, et de toute définition et relation, car elle procure chez le poète une rare sensation. Oui, elle procure chez le poète une rare sensation. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, Hakim.